côté que eh ben pile solution à chercher pour premier ministre Ariel Henry qui pas dans pays a gain état d'urgence donc on paquet éléments qui fait de crise pays d'Haïti a une crise absolument spéciale et très difficile et gain monde qui vivent longtemps qui dit que pas jamais yon causé comme ça qui c'est crise pays d'Haïti a traversé jour et jodia. Donc nous ensemble là c'est en équipe c'est dans studio VOA Creole la même que nous y est. Yon studio côté nous gagnons Gentil Augustin Junior, gagnons Jean-Marc Hervé Abella et puis gagnons Fred Kaimit et puis moi-même serviteur Jacqueline Bélizère. Donc et rapidement dans ça qui gagne rapport avec actualité dans le pays d'Haïti. Hier après-midi, tu gagnes chef gang Jimmy Cherizier alias Barbecue qui présente tête comme porte-parole yon mouvement, yon rassemblement qui relaie vivre ensemble. Et yo te commencé fait manifestation hier et barbecue te dans tête manifestation ça nous pral faut vivre manifestation ça qui déroulé hier dans et pays et d'Haïti plus précisément dans Port-au-Prince capitale là donc et barbecue et ben ça t'a pral gâté dans champ de masse là dans champ de masse là dans air champ de masse là côté que t'es gagné plusieurs et cartouches captives. On nous suit et barbecue qui n'a pas tête manifestation ça. Donc c'était comme ça manifestation ça qui était gagné dans tête les et Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui te gen tambour avec toute musique qui te gen, ta kou yon rara hier. Mais ça t'a pas le gâté, le arrivé sous champ de masse, parce que sous champ de masse, ça te gen deux manifestations qui te, deux têtes manifestations qui te rencontré. Et là, tout préparé national là, la police te utilisé moyen pour te capable gagner et en pile cartouche te tirer en dessous bien. C'était hier mardi 19 mars 2024 là c'est dans zone champ de masse donc on est zone champ de masse c'est zone côté gain ministère côté gain cour de cassation côté gain surtout palais national et nous t'es capable gain bevin gon le que la police a utilisé et t'es tiré pour t'es capable gagner manifestation ouais un pile monde t'es lagué pio mais dans même journée ça tout et avant manifestation ça t'es gagné leader petit des Salinas Moïse Jean-Charles qui lui-même t'est rencontré à la presse. Nous connaissons que Moïse Jean-Charles fait une alliance avec ancien sénateur élu Grandance Guy Philippe. Et il a été rencontré la presse, lui-même personnellement, pas Guy Philippe, parce que Guy Philippe lui-même t'est trouvé dans Pestel pour une cérémonie
religieuse, il était parlé même avec journaliste Mackenzie Charles, mais les mêmes leaders petit des salines, c'est sénateur Maurice Jean-Charles, il a été rencontré avec la presse, côté que premièrement, il rejetait toute démarche CARICOM a fait yo, et il dit que il pral font mobilisation pour empêcher que ça ou les conseils présidentiels de transition pour le pas capable fonctionner et on a le ça pibré. Dans moment communauté caribéenne, CARICOM presque arrivé dans bout de formation conseil présidentiel transition dans pays d'Haïti, leader petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles rencontré avec la presse pour exprimer opposition par rapport à démarche. Conseil ça non seulement n'a pas pêché, mais deuxièmement, mais pour faire face à une opposition qui va bien quitter le travail, parce que dans le conseil ça, c'est Ariel, c'est la démocratie qui vient dominer. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui fait alliance avec ancien sénateur élu Grandance, ancien rebelle Guy Philippe, lancé une mobilisation pour camper en quoi contre installation conseil présidentiel transition et faire promotion pour un collège trois membres Cap Geladon, Madame Françoise Saint-Ville-Villiers. Je dis à nous dire clairement. Cependant, Grégory Mix, qui représentait New York dans la Chambre des députés américains, quoi c'est un gros danger pour ces gangs qui prennent le pouvoir, il était parlé avec la Voix de l'Amérique. Monsieur dit, nous pas qu'à quitter gang que semblait Guy Philippe avec Barbecue à diriger, prend contrôle Haïti. Nous pas qu'à quitter ou contrôler pays. Décision collège présidentiel transition 7 maintenant, t'es prend naissance après rencontre d'urgence CARICOM t'es réalisé dans Kingston, Jamaïque, en présence d'un paquet l'autre partenaire, un paquet l'autre pays, tant qu'aux États-Unis, la France, Canada, Mexique, Brésil, et après tout, annonce démission Premier ministre haïtien Ariel Henry. Pendant ce temps, communauté internationale, là, parmi aux États-Unis encore, la France, Canada et Nations Unies, continue à mener des marches, non seulement pour gagner une transition qui a débouché sous élection dans le pays, mais tout pour continuer à processus pour une force multinationale à Kenya dans tête li, déployée dans le pays d'Haïti pour faire face à gang armée qui continue à faire sans couler dans le pays d'Haïti. Et puis, donc, l'autre, ça nous capable de signaler, c'est que l'équipe qui n'est pas d'accord avec le collège présidentiel, là, il même y a fait promotion pour une équipe avec trois mounadans, Guy Philippe dans tête, et puis Madame Françoise Ville Saint-Villiers avec Maître Durin Junior. Et puis, d'après plusieurs sources qui sont dans le pays d'Haïti, avec plusieurs sources qui sont dans le parti et regroupement politique qui était pour voir, non, il y CARICOM pour former le conseil présidentiel, là, eh bien, Konya, il y a 6 avec choix que yo fait de docteur Gérald Gilles. Donc, 6 mounio t'a doué à joindre CARICOM. Et n'a pas signalé 2 observateurs, c'est à Pierre Jean-Raymond André et puis René Jean Jumeau, c'est donc 2 observateurs. Donc, pratiquement, au départ, t'es gagné 7-2. Ça veut dire 7 membres et 2 observateurs. Konya, il y a 6 membres et avec 2 observateurs. Et donc, d'après le protocole là, eh ben Premier ministre Ariel Henry t'a doué recevoir non ça yo 8 non ça yo et après elle t'a supposé d'après toujours yon protocole que yon sous banon eh ben elle t'a doué et fait sortir yon arrêté pour faire ça officiel et conseil présidentiel de transition selon même annonce que Premier ministre Ariel Henry t'a fait eh ben y a gagné pour choisir un premier ministre et après ça a bien tout que Premier ministre avec gouvernement a bien pour liquider les affaires courantes. Donc, situation comme ça dans le pays d'Haïti, restez branché ou sous VOA Creole. Nous allons parler de élection ici aux États-Unis parce que 2024 là, c'est une année électorale ici aux États-Unis. Oui, comme on dit, 2024, là, sont année électorale. Ou année électorale aux États-Unis, mais ce n'est pas seulement aux États-Unis. Ils sont année électorale parce qu'il y a pile et médias internationaux qui ont parlé de 2024, là, qui sont année électorale dans le monde, même quand pile côté dans le monde, gain élection. Et a bien élection ici aux États-Unis, date là, c'est 5 novembre
2024, saute gain élection là tout dans pays la Russie avec victoire Lavalas ou la main de Vladimir Poutine avec toute réaction qui sortit après victoire ça. Et ici aux États-Unis, donc deux en face à face qui pral gagner encore, ça aurait les rematch ou bien remake en français, et bien pral gon l'autre face à face encore entre ancien président et républicain Donald Trump, qui lui-même a fait face à un paquet de problèmes avec la justice, bien que il était toujours très populaire parce que il pratiquement remporté primaire républicain sans problème, sans forcer, et même Nikki Haley qui lui-même qui était dernier dans la course là, ben il a abandonné après que mauvais résultat qu'il était fait dans Super Tuesday. Et l'a gagné devant, donc Donald Trump a gagné devant, yon l'autre fois encore président démocrate qui est actuellement au pouvoir, n'a parlé de Joe Biden. Et électorat américain, yon même yon pose un pile question sous l'âge de candidat. Et notamment, gagné président et Joe Biden, qui lui-même gagne 81 l'année. Donc, ça veut dire, s'il passe dans l'élection, la prête seulement en 20 janvier à 82 l'année. Et gagne un ancien président républicain. Et Donald Trump, lui-même, il gagne 77 ans. S'il passe, la prête seulement 78 ans. Donc, il y a pile question qu'a fait sous bagay ça. Et nous sommes capables d'entendre le président et démocrate là. Joe Biden, qui pendant un discours sur l'état de l'Union, t'as dit que l'elle était jeune, yo t'as dit il était trop jeune pour le faire occuper poste, mais qu'on y a dit trop vieux pour le capable occuper poste là. Il dit que le pas quoi que son question de l'âge, il quoi son l'autre bagaille plutôt. Donc, ça veut dire que 2024 là, son année électorale, ici aux États-Unis. N'a pas la question de Cour suprême, non, gagne une décision qui gagne rapport avec immigration, eh ben, Cour suprême, non, eh ben, et l'État a levé une loi très controversée dans Texas. C'est un tribunal fédéral plutôt qui empêchait une autre fois encore État Texas arrêté et déporté immigrants yo accusé qui entrait aux États-Unis illégalement, ça veut dire sans papier, quelques temps après que loi t'est entré en vigueur. Avant ça, loi t'est en vigueur, faut dire que tribunal Cour suprême américain yo même était divisé sous décision au point que yo t'est quitté loi État entré en vigueur pendant que gen pile gros défi légal qui t'a joué à cause quelques shérifs yo même qui dit yo même y a obéi avec la loi et puis y a passé et à l'action. Donc, c'est une grosse nouvelle. Une grosse nouvelle, non seulement qui est une grosse nouvelle aux États-Unis parce qu'il y a un rapport avec l'immigration et nous avons parlé d'élections aux États-Unis. Depuis qu'on parle d'élections aux États-Unis, il y a un gros point, c'est question immigration à côté de économie, politique internationale et autres. Donc, et l'autre point que nous sommes capables de signaler, peut-être que le dernier point que nous avons gagné pour aujourd'hui, eh c'est question, nous parlons en pays Brésil, c'est question Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, très populaire dans le pays, malgré que président Luis Ignacio da Silva, c'est un président qui très populaire, eh ben, monsieur n'a problème avec la justice. Ils se font rassemblement dernièrement là, ouais, que sont full monde, et dans le pays Brésil, bon, il y a des gens qui disent que le Brésil pas un pays, son continent, parce qu'il est tellement gagné, en pile monde, donc Bolsonaro qu'on y a trouvé dans la prison. Pour qui ça? C'est parce que monsieur falsifié 4 COVID-19 li. Et c'est première inculpation que leader extrême droite là recevoir. Donc extrême droite, c'est un monde que yo dit qui même rapproché de ancien président américain Donald Trump. D'ailleurs, dit lui-même que li remet Donald Trump. Yo même dit que c'est le Donald Trump sud-américain. Donc monsieur gain possibilité pour la justice lancer l'autre accusation contre lui parce que yo te dit que monsieur gain l'état nan et yon paquet de déblosaï qui te gagne le président Luis Ignacio da Silva alias Lula te prend pouvoir. Détective la police Fabio Alvarez Chor qui signe un document dit nan rapport Bolsonaro ak conseiller yo te changé dossier vaccination yo pour yo te esquiver restriction santé publique. Donc pour être ça, yo vle accuser monsieur et la justice lui-même gagne en pile causé pour demander Luis et Jair Bolsonaro, ancien président pays Brésil. Nous pratiquement arrivé dans fin intervention ça, mes amis, nous t'ai grand point cap dominé actualité dans pays d'Haïti, toujours gain suspense sous question qui le installation conseil présidentiel de transition a fait, mais avant le fait a gagné aussi avant coureur ou bien aussi cap précédé li. C'est notamment, ils ont arrêté que Premier ministre Ariel Henry,
qui à l'extérieur a bien pour faire sortir ou arrêter, pas oublier que Michel Boisvert lui-même c'est lui et premier ministre Haï, mais c'est premier ministre Ariel Henry qui même a bien pour sien. Donc autant de points que Brete branché sous VO Acreol, parce que nous prenons contact avec toute l'autre gros entité qui y a même gros rôle que a joué dans la crise là, que c'est CARICOM, que c'est Nations Unies, que c'est la Maison Blanche, Pentagone, Département d'État. Donc nous même n'a prêté branché pour nous capable faut vivre tout gros moment cap gain qui gain rapport avec actualité a dans le monde, mais surtout avec un focus attention sous pays d'Haïti, eh ben qui a vécu une crise politique sans pareil, sans oublier crise humanitaire que organisation mondiale là, Nations Unies a parlé. Donc c'est un plaisir, nous te gars avec un support technique et gentil Augustin Junior qui vini en retard, et nous te gain Jean-Marc Hervé Abela et puis Fred Kaimit et puis moi-même serviteur Jacques Nabelizer, et m'a salué tout Jean-Robert Philippe.